Ta victoire est en Jésus. Ta victoire est en Jésus. Et en Jésus seul. Yerebo sante kerebo shenderebo. Yerebo sante kerebo. Merci Père, la victoire t'appartient. La victoire t'appartient. La victoire t'appartient. En ce jour, Seigneur, nous te célébrons. En ce jour, Seigneur, nous voulons nous souvenir de tes grâces. Nous venons nous souvenir de ton amour. Nous venons te célébrer, Seigneur. Car tu es venu à nous, le premier. Tu es venu à nous, Seigneur, alors que nous étions loin. Tu t'es approché de nous et tu nous as parlé de paix. Seigneur, en ce jour, que lorsque nos yeux se sont ouverts à la réalité de ton amour, ô Père, nous te disons merci. Merci. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus. Ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance. Depuis le début de cette année, Seigneur, tu as été avec moi. Tu m'as sauvé, lavé, pardonné, relevé si souvent. Reçois ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Sois ma reconnaissance, oui, ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus.
ton salut. Oui, Seigneur. Merci pour ta venue. Merci d'être venu à nous. Merci d'être venu à nous. À toi l'honneur et la gloire. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux saluer ton frère à côté de toi? Une bonne salutation du matin. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie d'être là ce matin? Quelqu'un est-il reconnaissant au Seigneur de lui avoir donné ce nouveau jour? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une vertueuse ici? Amen. Est-ce qu'une vertueuse a été édifiée au cours de ces trois derniers jours? Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour nos trois jours de réunion qui a eu lieu depuis mercredi passé. Nous rendons grâce à Dieu pour les 40 jours qui se sont achevés aussi. Nous rendons grâce à Dieu pour 2017 qui est en train de prendre fin. Je vois quelqu'un qui se dit 2017 est fini, aucun de mes projets n'est accompli. Moi, je veux rendre grâce à Dieu. Car son amour et sa fidélité n'ont pas fait défaut au cours de toute cette année. Sa protection et sa grâce n'ont pas fait défaut. Sa supervision dans nos vies n'a pas fait défaut. Sa parole nous a été donnée jour après jour et elle nous a guidés dans le chemin. Dieu est fidèle pour nous. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle pour moi. Il est fidèle pour moi. Et durant ces trois jours, notre thème était la splendeur au lieu de la cendre. Et nous avons, notre texte de base se trouve dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. Versets 1 à 3. La Bible me dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. En ce jour 24 décembre, il ne nous reste plus que 7 jours avant la fin de cette année. Je veux rendre grâce à Dieu pour chaque serviteur royal. Parce que Dieu a amené dans cette église des personnes, des hommes et des femmes qui ont démontré de l'amour pour lui. Et qui l'ont vaillamment servi tout au long de cette année. N'est-ce pas? Parfois, il y a eu des temps de flottement, mais il a su toujours nous relever. Je rends grâce à Dieu pour chaque ouvrier, pour chaque équipe, pour chaque sacerdoce, parce que c'est comme ça que nous nous appelons maintenant. Chacun a son rang, chacun a sa place à donner ce que le Seigneur a mis en lui. Et ensemble, nous avons pu avancer jusqu'à ce jour. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui ont apporté merveilleusement pour la journée de compassion. Les paquets sont prêts. Nous avons préparé 400 paquets. 400 paquets. 400 paquets. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? 400 paquets sont prêts. Et ce soir, l'équipe de la cuisine qui n'a pas dormi durant toute la nuit a continué à travailler afin qu'un repas chaud leur soit donné. Parce que Dieu est amour et son amour doit être palpable, doit être touché, doit être visible. Tu es assise ici aujourd'hui parce que Dieu est venu à toi.
Il est venu à toi à travers un frère. Il est venu à toi à travers une sœur. Il est venu à toi à travers quelqu'un qui a laissé l'amour de Dieu couler en lui et qui t'a dit que Jésus t'aime et que Jésus est mort à la croix pour toi. C'est ça qui a fait que ce matin tu es là. Ne laisse pas la chaîne se briser. Laisse le ciel continuer à couler son amour au travers de toi, sans intérêt. L'amour de Dieu est un amour désintéressé. Ce n'est pas un amour qui donne parce qu'il attend. Non, il est un amour désintéressé. Notre amour humain est intéressé. Notre amour humain est cupide, égoïste. Notre amour humain est calculateur. Mais Dieu est venu nous montrer un exemple afin que nous ayons en lui un modèle à suivre. L'histoire de la naissance de Jésus, dont nous avons le souvenir en ce jour, est une histoire qui nous montre tellement de choses. Jésus n'est plus ce petit bébé dans une petite crèche à qui on peut faire des guili-guili. Non. Mais nous devons nous souvenir de sa naissance. Parce que sans sa naissance, il n'y aurait pas eu sa mort. Et sans sa mort, il n'y aurait pas eu sa résurrection. Et sans sa résurrection, il n'y aurait pas eu un peuple nouveau qui est né aujourd'hui. Beaucoup de gens critiquent pourquoi on célèbre Noël. Noël est une fête païenne. Moi, je ne célèbre pas Noël. Je célèbre la naissance de mon Seigneur. Je me souviens que mon Seigneur est venu et que ce Seigneur est venu me dire qui Dieu est, qui Dieu a toujours été, qui il est, qui est-il réellement. Dieu a toujours voulu être un père, une source. Dieu a toujours voulu être celui qui nous soutient. Dieu a toujours voulu être celui de qui nous tirons toutes choses. Mais il n'avait pas d'enfant. Il n'en avait pas. Il avait tout en lui, mais il n'avait pas d'enfant. Alors il fit les cieux, il fit la terre. Et il créa le premier homme nommé Adam. Il le plaça dans le jardin. Il le plaça dans un jardin magnifique. Il lui dit, tu peux le garder et tu vas le cultiver. Parce que de là, je vais te démontrer qui je suis. Je vais te démontrer mon amour. Tu vas être l'image, mon image et ma ressemblance. Tu vas fonctionner comme moi. Tu vas vivre comme moi. Afin que la terre soit entière, soit remplie de la connaissance de Dieu. Mais l'homme a trahi Dieu. Il l'a trahi à la première occasion. L'homme qui avait tout. L'homme à qui Dieu a donné une femme. L'homme à qui Dieu a tout pourvu. Il l'a trahi à la première occasion pour une gloire personnelle. Pour un désir de grandeur personnelle. Dès qu'il a vu qu'il pouvait s'échapper de l'autorité de Dieu pour être quelqu'un par lui-même, il ne s'en est pas privé. Il a trahi Dieu. Il a trahi sa confiance. Il l'a trahi Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. À cause de son omniscience, il avait déjà prévu de venir encore au secours de cet homme traître. Il avait déjà prévu d'immoler Jésus à la croix. Et il l'a fait avant de commencer les cieux et la terre. Et voici Dieu avec son plan secret au sein de lui-même, parce que Dieu est amour. De même, toi aussi, tu as trahi Dieu à bien des égards. Moi aussi, j'ai trahi Dieu à bien des égards. Si souvent, pour une avancée personnelle, pour un désir personnel, pour une gloire personnelle. Mais ce Dieu, il ne s'est pas arrêté là. L'histoire de la naissance de Jésus me montre mon indignité. Me montre à quel point je ne peux rien revendiquer devant Dieu.
me montre à quel point son amour est grand. Me montre la laideur de mon péché et me montre en face un Dieu miséricordieux. L'histoire de Noé, l'histoire de la naissance de Jésus, c'est l'histoire d'un Dieu patient qui patiemment, année après année, a mis son plan en exécution. L'amour de Dieu est plein de patience. C'est pour cela que dans ta vie, dans ma vie, la patience de Dieu se démontre à chaque moment. Tu peux regarder en arrière et tu vois la patience de Dieu. Comment il prend le temps, comment il prend le temps de te sauver de tes péchés. La naissance de Jésus est un phénomène qui a pris place tout doucement. Mais dès que la chute est arrivée, Dieu avait déjà prophétisé, Dieu avait déjà déclaré à cette femme qui a été séduite. Dieu dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. Il l'a dit. Et on voit Dieu travailler patiemment, 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 patiemment. Et quand le temps est accompli, quand tout est réuni, Dieu met son plan à exécution. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. À partir du 26e verset. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. En ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les nations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Alléluia. Ce récit se passe, il s'est passé il y a 2000 ans. En ce moment-là, ton arrière-arrière-arrière-grand-père était peut-être dans une brousse. Tu peux imaginer peut-être où il était. Sans aucune connaissance du plan de Dieu qui était en train de se mettre en place. Sans aucune connaissance de ce que Dieu avait prévu pour son salut. Sans aucune connaissance de ces choses. Mais Dieu pensait à lui. Il pensait à toi. Il pensait à ceux qui viendront après. Vous savez, l'amour de Dieu, même quand cela n'est pas visible, est toujours réel. Parfois, tu sembles être loin, sembles ne pas ressentir l'amour de Dieu. Mais à quelque part, Dieu travaille. Il n'a pas attendu que tu demandes qu'il travaille pour toi. C'est son amour qui le presse à œuvrer. C'est son amour qui le presse à travailler. Comme un enfant, il ne demande pas qu'on aille acheter son lait. Il ne demande pas qu'on aille chercher ses couches. Il ne demande pas qu'on fasse quoi que ce soit pour lui. Non, son père sait qu'il doit travailler en sa faveur. Écoute-moi, tu questionnes Dieu sur des choses où Dieu a commencé à travailler avant même que tu ne sois né. Tu m'entends? Dieu a commencé à travailler pour ça avant que tu ne sois né. Il a commencé à travailler avant la fondation du monde. Et je peux même te dire que Dieu a déjà terminé. Amen. Dieu a déjà terminé. Il a achevé son œuvre. Et là, il est en train de le dérouler. Il est en train de le mettre en pratique. Il est en train de le révéler. Mais en fait, il avait déjà terminé. C'est pour ça que Paul peut dire, si Dieu ne nous a pas refusé son Fils, son unique, que nous refusera-t-il? Que nous refusera-t-il? Écoute la voix du Seigneur qui te parle. Si Dieu a commencé à travailler pour te sortir du péché, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, avant que tu ne saches dire I ou A, Dieu avait déjà commencé à travailler pour te sortir du péché. Est-ce aujourd'hui qu'il est surpris? Est-ce aujourd'hui?
Ce même Jésus qui est né, il a dû te poursuivre même pour que tu l'acceptes. Oui ou non? Pourtant, c'était pour ton bien. Tu réalises que souvent, tu ne sais pas ce qui est bien pour toi. Oui ou non? Alors, nous devons apprendre à accepter la parole de Dieu, à la recevoir telle qu'il nous dit de la recevoir, parce qu'il est plus sage que nous. Vous savez, quand Dieu donne sa parole, ne mets pas ton intellect à l'enregistrer. Ne mets pas ton intellect à la comprendre. Ne mets pas ton intellect à l'analyser. Regardez la parole qui est donnée à Marie. Elle dit, tu enfanteras un fils, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le trône de David qui? Son père. Entre toi et moi, l'analyse concrète et directe d'un esprit humain dira quoi? Dira quoi? Dira quoi? Hein? Impossible. Non, tu ne peux pas dire impossible. Tu auras un enfant. Hein? Il dit... Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Une analyse humaine de cette parole nous dira quoi? Hein? David, le papa a fait quoi? David, non, pas ça. Hein? Que Jésus sera dans un palais, n'est-ce pas? Mais oui, on vient te dire que ton enfant va être sur un trône. Est-ce qu'il y a un trône dans une mangeoire? Est-ce que quelqu'un m'entend? Marie reçoit une grande parole. Tu enfanteras un fils et il régnera, le trône de David va être restauré. En ce moment-là, ils sont sous occupation romaine. Les Romains les maltraitent, les traitent en esclavage. Qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un intellect humain doit analyser? Hein? Il sera le président. Tu vois? Il va venir, il va monter une armée et tout de suite, il va les chasser et il va s'asseoir sur ce trône-là. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe avec toi aussi. Quand tu reçois la parole de Dieu, ton imagination se met rapidement en branle. Et comme la parole est au-dessus de toi, tu imagines déjà la chose dans des termes humains et charnels. Marie était une femme de la même nature que nous. C'est pour cela qu'elle était vraiment perplexe de la tournure que la vie de Jésus a prise. Il lui fallait l'Esprit, le Saint-Esprit, pour lui ouvrir les yeux. Ma sœur, il nous faut le Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux sur la réalité de la vie de Christ. En nous, parce que lui, il a déjà fini, il est parti s'asseoir. Mais en nous, le thème des femmes, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour me donner un diadème au lieu de la cendre. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de possibilité de comprendre ce que Dieu dit. Impossible.
La chair a son analyse. Elle nous dit quelque chose. Mais l'esprit est au-dessus. La Bible dit, autant vos pensées, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant les cieux sont éloignés, élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. C'est une histoire qui a existé pour nous montrer que Dieu est un Dieu qui prend des chemins parfois qui nous rendent tout à fait perplexes. Des chemins qui nous rendent tout à fait perplexes. On se demande, un grand roi, pourquoi doit-il naître? Pourquoi doit-il être un simple bébé? Pourquoi Dieu ne l'a pas fait comme il a fait Adam? Patatras, un homme descend sur terre, tout conçu, tout fait, grand. Non. Parce que Dieu a son principe. Et l'histoire de la naissance de Jésus me montre l'histoire d'un Dieu qui prend un chemin d'humilité. Qui prend un chemin d'humilité. Qui vient naître sur la terre comme un simple homme. Pour faire quoi? Pour te racheter. Pour me racheter. Oh Jésus, aide-nous à cerner toutes les dimensions de ton histoire, de ta venue. Aide-nous à comprendre. C'est l'histoire de Dieu d'amour. Le sens de Noël nous montre que Dieu s'occupe du pauvre. Dieu s'occupe de l'affligé. Dieu s'occupe de celui qui est en bas. Aujourd'hui, la naissance de Noël est devenue une fête commerciale. Les gens se font de l'argent. Avec ça, les gens remplissent leurs poches. Avec ça, ils font des arbres, ils s'offrent des cadeaux. Mais le vrai don de Jésus est venu te dire, c'est parce que tu étais pauvre, misérable et nu que je suis venu à toi. Maintenant que je suis en ton cœur, je m'attends à ce que tu le fasses aussi pour quelqu'un à côté de toi. C'est pour ça que nous avons fait la journée de compassion. Parce que si nous continuons à célébrer la naissance de Jésus comme une fête traditionnelle, nous passons à côté. Mais nous devons nous souvenir que notre propre misère avait commencé un certain jour. Et Dieu est venu à nous. Il est venu à nous. Il est venu à nous simplement et il nous a délivrés. Et puisqu'il nous a délivrés, il a fait de nous aussi des messagers pour ceux qui sont autour de nous. Ne te détourne pas de celui qui est pauvre. Ne te détourne pas de celui qui est opprimé. Parce que c'est pour ça que Christ est venu. Les hommes sont plus importants que les choses. Les hommes sont plus importants que les choses. Un être humain est toujours plus important qu'une chose. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie pour toi. C'est pour ça qu'il prend le temps. Tu dis à Dieu, mais Seigneur, donne-moi les choses. Lui, il te dit, donne-moi ton cœur. Toi, tu dis, donne-moi les choses. Lui, il te dit, donne-moi ton cœur. Dis, mais Seigneur, on n'est pas sur la même longueur. Donne, on dirait. Parce que pour lui, de ton cœur sortira toutes les choses. C'est de ton cœur, c'est dans ton cœur qu'il enfuit, il a enfui tout. Mais si tu lui donnes ton cœur, réellement, alors il peut, c'est son matériel de choix, pour y mettre quelque chose qui ne passe pas. Détournons nos regards de tout ce qui est farfelu. Tout ce qui n'a pas de prix. Tout ce qui n'est pas essentiel. Pour les tourner vers Christ. L'histoire de la naissance de Jésus me montre
que Dieu a toujours pensé à moi. Est-ce que quelqu'un croit ça ce matin? Dieu a toujours pensé à toi. Tu n'étais même pas encore né. Dieu a pensé à toi. Il a pensé à moi. Il me montre que Dieu fait toutes choses avec patience. Il me montre que Dieu préfère le chemin de l'humilité pour élever. La parole que Dieu a dite à Marie n'est-elle pas accomplie? À la manière des hommes? C'est ça le problème qu'il y a avec Dieu et nous. Est-ce que quelqu'un veut revenir à l'authenticité de ce souvenir? De ce souvenir merveilleux qui fait qu'aujourd'hui je peux dire je suis un enfant de Dieu. De ce souvenir merveilleux qui peut dire qu'aujourd'hui, qui peut faire que je peux dire qu'aujourd'hui je suis sauvé. De ce souvenir merveilleux qui peut faire que je peux dire je me couche et je m'endors en paix. Au cours de cette année, tu as entendu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Dieu nous a parlé tellement. Parfois même, il y avait tellement à manger que tu as sauté certains repas. N'est-ce pas? Il a donné sa parole avec abondance. Certains même peuvent dire qu'ils étaient overdosés. Mais quand cette année finit et que tu regardes, quel est le fruit de cette parole dans nos cœurs? Est-ce que papa peut s'asseoir et sourire de toi, de sourire de moi et dire je suis fière de mon enfant parce que tout au long de cette année-là, elle a laissé l'amour de Dieu se répandre dans sa vie et autour d'elle. Elle était un instrument de pardon, elle était un instrument de réconciliation, elle était un instrument qui a amené plusieurs à me connaître. Si ce n'est pas le cas, on a 7 jours. 7 petits jours qui nous restent. Ou bien est-ce que tu viens chaque jour t'asseoir ici en te disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a ça, il y a ça, il y a ça que tu dois faire dans ma vie. Sans regarder en arrière. Sans même t'arrêter et dire, avant que je ne sois conçu dans le ventre de ma mère, il m'a connu. Et quand je regarde mon histoire, il m'a tellement aimé, tellement gardé, tellement préservé, qu'il m'a conduit jusque-là. Je peux traverser des situations difficiles, mais je sais qu'il ne peut pas m'abandonner. Et moi, en retour, je veux que cet amour porte du fruit en moi. Allons-nous sortir de notre égocentrisme, une fois pour toutes. Allons-nous un jour nous débarrasser de ces choses? Ou allons-nous encore entrer dans la nouvelle année avec de ces vœux de bonheur, de paix, de santé, prospérité, l'argent? C'est ce qu'on va faire encore? Je ne veux pas entendre quelqu'un me dire « bonne année l'argent » si j'entends ça. Au cours de cette année, j'ai vu Dieu apaiser nos cœurs. En tout cas, il l'a fait avec moi.
On est là pour quoi? Pour son royaume. Dis à ton voisin, on est là pour son royaume. Et Dieu a démontré son amour. Dis-lui, dis-lui. Et Dieu a démontré son amour en donnant Jésus. Jésus est né. Il a grandi. Il est mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il nous a laissés ici pour être ses témoins. N'est-ce pas? C'est pas ça la vérité. Au cours de cette année, Dieu en a guéri plusieurs. N'est-ce pas? Mais est-ce que même tu as écrit un petit témoignage même pour dire que Dieu merci? Ou bien c'est un acquis? Révolutionnons notre célébration de la naissance de Jésus. Tendons la main à celui qui est à côté de nous. Partage ton pain avec celui qui est à côté de toi. Fais un repas, donne-en des parts à ceux qui sont autour de toi. Va voir quelqu'un et lui dire, je veux te dire en fait que la vraie célébration de Noël, c'est que Jésus t'aime. Il est venu pour te délivrer. Et nous en tant que chrétiens, Jésus est venu nous sauver de tous nos péchés. Quel est le péché secret qu'il y a au fond de ton cœur? Pour terminer, sans le Saint-Esprit, rien n'est possible. Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Il a vécu son ministère par la puissance du Saint-Esprit. Il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas, je ne peux pas, personne ne peut faire l'œuvre de Dieu, ni comprendre Dieu. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas. Alors, la naissance de Jésus me rappelle que la chair ne peut rien faire. À cette nouvelle année, mon désir est d'être de plus en plus spirituel et de moins en moins charnel. De plus en plus spirituel et de moins en moins charnel. De plus en plus spirituel et de moins en moins charnel. De laisser l'intelligence de Dieu éclairer mon intelligence et me montrer la révélation de sa parole. Car la révélation de ses paroles est claire. Quand tu as la parole de Dieu, sans qu'elle soit révélée à toi, il n'y a pas d'éclaircissement. Et tu as reçu la parole de Dieu tout au long de cette année. Et parfois tu t'assois, tu te rends, tu es tout perplexe en te demandant à quoi cela rime. Je ne comprends pas. Je ne pensais que cette parole-là veut dire ça. Je pensais que cette parole-là veut dire ça. Je pensais que ça va se passer comme ça, comme ça. Même les disciples qui ont été avec Jésus pendant 3 ans, ont marché avec Jésus, ils n'ont pas compris. Donc, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ma faute. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre. Mais quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, Pierre a été changé. Sa vie a été bouleversée. Recherche le Saint-Esprit. C'est là où tu comprendras. Vous savez, le Saint-Esprit est celui qui nous montre le chemin. Quand la parole de Dieu vient à toi, si le Saint-Esprit n'a pas éclairé ton cœur, tu ne comprendras rien. Quand elle éclaire ta vie, quand elle éclaire ton cœur, tu dis, ah, j'étais vraiment loin de la plaque.
parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qui te donnera la grâce de pardonner à cette mère à qui tu en veux. C'est par le Saint-Esprit qui te donnera la grâce de tendre la main à ce frère qui t'a tant maltraité. C'est par le Saint-Esprit qui te donnera la grâce de triompher de cette amertume qui est au fond de ton cœur. C'est par le Saint-Esprit qui te donnera la grâce de comprendre le prix et la valeur que tu as aux yeux de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que tu sauras cet amour qui dépasse toute intelligence. Un homme peut parler, mais c'est le Saint-Esprit qui peut ouvrir, parce qu'il connaît le chemin. Il sait comment tu es fait, parce que c'est lui qui t'a fait. Recherche le feu, le Saint-Esprit. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que je peux devenir enceinte? Comment est-ce qu'un enfant, un tel enfant peut naître? L'ange lui dit, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a oint, il m'a oint, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ta célébration de Noël est une célébration fallacieuse. Oh Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi. Dans ce monde, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons fait trop d'interprétations personnelles. Nous avons fait trop de choses par nous-mêmes. Ça ne nous a rien apporté. Oh, nous crions à toi. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il veut dire, Seigneur, Saint-Esprit, je crie à toi ce matin. Je crie à toi. Je veux quelque chose de nouveau en cette célébration de Noël. Je veux quelque chose de nouveau en cette célébration de Noël. Je veux quelque chose de nouveau en ce souvenir de la croix, de ta naissance. Je veux quelque chose de nouveau. Je sais que Christ a été élevé. Il n'est plus un petit bébé. Il n'est plus dans la crèche. Il est élevé. Mais toi, Saint-Esprit, tu es là. Et la Bible me dit qu'en ces derniers jours, le Seigneur répand son esprit sur nous. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, ouvre les yeux de ma soeur, ouvre les yeux de mon cœur, de mon frère, ouvre les yeux de mon ami ici, ouvre les yeux de quelqu'un qui est venu ce matin en train de se poser des questions, mais qui veut, toi seul, peut illuminer. Oh, Shekarabahanda. Oh, Yekarabahanda. Oh, Yekerebahanda. Robo Santa Handara Bahondo Bo Santa Henderebe. Robo Shendere Bahanda Bayoko Robobo Sakahanda. Minda Handara Bahondo Bo Sakahanda Rabayondo Robobo. Reba Hondo Bo Shendere Bahanda Bayeke. Reba Handara Bahondo Bo Sakahanda Raba. Reba Hondo Bo Santa Henderebe. Riba Handa Bayoko Robobo Shendereba. Yoko Robobo Santa Bahanda Raba. Robo Sakahanda Rabahondo. Robo Shendereba, Reba Handa Rabahondo, Robobo Sakahanda Rabahondo, Mikahanda Rabahondo Bosakahanda, Ikarabahanda Rabahondo Bosaka. Oh Shekerebahanda, oh Shekerebahanda, tu as besoin d'ouvrir ta bouche et de parler au Seigneur, de lui dire combien tu as besoin de ce feu, tu as besoin de cette flamme. Oh Shekerebahanda, Riba Handa Bahondo, Robobo Bosakahanda. Crie à Dieu. Crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin. Robo shendere bahanda. Minde yondo robobo sakahanda rabahondo. Yikarabahanda basaka henderebe. Robo santa yendere bahanda bahondo. Mikahanda rabahondo robobobo shendere bahanda. Oh makahendere bahondo bo santa. Yikarabahanda basanta yenderebe. Yondo robobobo sakahanda rabahondo bo shende. Ribahanda
Je veux être rempli de ce feu. Je veux être rempli de ce feu. Je veux être rempli de ce feu. Oh manda yekere bahondo bo shendere bahanda. Minde yondoro bo 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 sakahanda. Oh yekere bahanda. Oh. 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 Tu nous aimes tant, Saint-Esprit. Tu nous aimes tant, Saint-Esprit. Tu nous aimes tant. Oh, tu nous aimes tant. Saint-Esprit, tu nous aimes tant. Saint-Esprit, tu nous aimes tant. Saint-Esprit, tu nous aimes tant. Oh, tu nous aimes tant, Saint-Esprit. Tu nous aimes tant, Saint-Esprit. Tu nous aimes tant, Saint-Esprit. Tu nous aimes tant. Tu vas commencer maintenant à parler au Seigneur. La première chose que tu vas faire, c'est de te repentir. C'est de te repentir de cette mauvaise vision que tu avais. De cette mauvaise vision que tu avais. De cette mauvaise vision que tu avais. Tu vas te repentir de cette mauvaise vision. Et dire, Seigneur, je choisis ce matin par le Saint-Esprit de croire en ta parole. Ta parole qui me dit, qui me m'a montré ce matin, combien tu as pensé à moi bien avant la fondation du monde. Tu vas te repentir de ces murmures, de ces choses qui s'élevaient et qui obscurcissaient ta connaissance de Dieu. Parle au Seigneur maintenant, parle au Seigneur maintenant. Et répands-toi, 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 répands-toi de ces choses. Répands-toi, répands-toi. Oh, makahanda rabayondo bo shendere bahanda bahendere. Oh Seigneur, oh Seigneur. Quand j'ouvre ta parole et que je vois ces écritures, je vois, Seigneur, cet amour immense que tu as porté sur nous. Je vois cet amour immense que tu as porté sur nous. Et ce matin, Seigneur, nous venons te dire, Seigneur, que nous reconnaissons combien de fois, Seigneur, nous nous sommes détournés de cet amour si patient, cet amour si bienveillant. Et nous avons commencé à poser des questions, Seigneur, oh Dieu. Je t'en supplie, aide-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Ton amour est parfait. Il est immense. Ton amour est immense et parfait. Ton amour est immense et parfait. Tu l'as démontré bien avant que nous ne soyons nés. Tu l'as démontré bien avant que nous ne soyons nés. Tu l'as démontré bien avant que nous ne soyons nés, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce. Oh, makahanda rabayondo. Et te demander, Seigneur, que ton sang précieux, Seigneur, nous lave, lave nos consciences, lave nos vies, lave notre intelligence, lave nos cœurs et purifie nos cœurs. Que le Saint-Esprit opère une opération de sanctification ce matin dans nos cœurs. Opère une opération de sanctification dans nos cœurs ce matin. Sanctifie nos vies. Sanctifie nos cœurs.
Sanctifie nos vies, sanctifie nos cœurs. Sanctifie nos vies, sanctifie nos cœurs. Oh, shekereba handa ba yende reba hondo bo saka yende reba handa. Reba hondo bo shende reba handa yende rebe. Robo santa handa raba yondo robo bo bo shekereba handa. Ika raba handa ba saka yende rebe hondo bo santa yende. Minda ya kereba hondo bo shende reba handa yende rebe. Mika handa raba yondo robo bo 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 saka handa raba yondo robo bo. Ah, ya kereba handa ba shende reba handa ba saka yende rebe. Robo santa yende rebe oh. Oh, shekereba handa ba yondo robo bo 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 santa ba yende rebe ba ya kereba ba handa raba hondo bo. Sanctifie nos cœurs. La caraba santa yendere bo. Saint Esprit yendere bo. Sanctifie nos cœurs. Saint Esprit. Sanctifie nos cœurs. Saint Esprit. Continuer dans la prière. Je veux donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Jésus est né, il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Et il nous a dit que c'est la bonne nouvelle que nous devons proclamer à toute créature. Tu es peut-être là, tu es né de ton père et de ta mère. Mais tu n'es pas encore né de Dieu. Et ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Elle est venue te toucher profondément. Si tu veux recevoir Jésus ce matin, et je t'encourage à le faire, je te prie de te tenir debout à ta place, afin que tu puisses naître de nouveau par la prière que nous allons faire avec toi, parce qu'il y a la foi dans ton cœur. Si vraiment tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi, pour te sauver de tes péchés dont tu ne peux te débarrasser par quoi que ce soit, pour te sauver de la mort, alors tiens-toi debout à ta place, dans la salle ici comme dans la salle vie, afin que nous puissions prier ensemble, tous étant nés de Dieu. Merci, il y a une sœur dans la salle vie. Y a-t-il quelqu'un ici dans cette salle? Tout le monde a les yeux baissés. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur, qui ne l'a jamais fait et qui ce matin se rend compte, mais où est-ce que je vais? Et qui dit, je dois commencer d'abord avec Dieu. Tiens-toi debout à ta place. Tiens-toi debout à ta place. Alléluia. Alléluia.
Jésus est venu pour te sauver de tes péchés. Il est né pour te sauver de tes péchés. Il a commencé à le faire et il continue de le faire encore aujourd'hui. Il vient te donner un cœur nouveau, de sorte à ce que tu obéisses à sa parole. Plusieurs se sont levés dans la salle vie. Alors vous allez prier cette prière après moi. Vous allez dire, Dieu, dites-le à haute voix, Dieu, j'ai entendu ta parole ce matin et j'ai réalisé que j'étais sur un chemin de la mort et j'ai vu ton amour pour moi. Je me suis souvent plaint, mais ce matin tu as ouvert mes yeux. J'ai vu que tu m'aimes. J'ai vu que tu es venu me sauver de mes péchés. Et je crois en ta parole. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. Je crois qu'il m'a donné une vie nouvelle si je crois en lui. Et je crois. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je le reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Qu'il gouverne ma vie. Qu'il gouverne mes pensées. Qu'il me montre le chemin. Qu'il me remplisse du Saint-Esprit. Et qu'il me dise qui je suis réellement en lui. Dieu, je peux maintenant t'appeler Père. Parce que je suis devenu ton enfant à cet instant. Je crois que j'ai été pris des ténèbres. Dans du royaume des ténèbres. Et j'ai été amené dans le royaume de la lumière. Alléluia. Amen. Je suis maintenant un enfant de Dieu. La vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. Le Saint-Esprit a fait sa demeure en moi. Le Saint-Esprit est maintenant mon papa. Oh, merci Père. Quel jour merveilleux tu m'as donné aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Et je te dis merci. Je te dis merci. Est-ce que nous pouvons acclamer le Amen. Seigneur pour tous ces bien-aimés qui ont reçu Jésus, qui ont reçu Jésus, qui ont reçu Jésus. Alléluia. Je demande aux conseillers de les approcher, de prendre leur nom, de prendre leur nom, les conseillers de zone, approchez, les prenez leur nom et nous allons continuer dans la prière. Oh, 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 Shekaraba. Inaba, daba, sakaha, daraba, oh, Shekaraba, daba, indiri. Oh, Sakahandaraba. Commence maintenant à soupirer après le Saint-Esprit. Commence maintenant à soupirer après le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans sa réalité. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qu'il te remplisse. Qu'il te baptise. Qu'il te baptise. Que tu sois baptisé ce matin de feu et du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit avec son feu vienne ranimer toute chose dans ta vie. Oh, Paul a dit à Timothée, ranime le feu. 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 Ce matin, nous avons besoin de crier à Dieu afin que notre feu soit ranimé. Afin que notre feu soit ranimé. Que la tiédeur soit ôtée. Que la tiédeur soit ôtée. Et que le feu soit ranimé. Un feu qui va nous faire rentrer dans la nouvelle année avec les grâces de Dieu. Dans la même vision que Dieu. Dans la même pensée que Dieu. Dans la même pensée que Dieu. Mandara bayondoro bobobobo saka bayenderebe. Riba handa bayekereba hondo bosaka ende. Robo shendereba handa yendereba handa. Minda yekereba hondo boshendereba handa bayondoro bobo. Maka yendereba bahanda rabayondoro bobobobo saka bayendereba handa bayenderebe. Riba handa bayondoro bobobo. Robo shendereba handa. Ikaraba handa bayende. Oh Seigneur, je veux quelque chose de nouveau. Une nouvelle onction. Un nouveau attouchement. Un nouvel attouchement. Dieu tend du précieux Jésus dans ma vie ce matin. Un nouvel attouchement du précieux Jésus dans ma vie ce matin. Un nouvel attouchement du précieux Jésus dans ma vie ce matin. Oh, un nouvel attouchement du précieux Jésus dans ma vie ce matin. Un nouvel attouchement.
l'attouchement du précieux Jésus dans ma vie ce matin. Oh, ma kahanda rabai odoro bo 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 santa yendere be riba handa bai odoro bo bo shendere bahanda yo koro bo 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 saka bahanda rabai odoro bo 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 santa yendere be ikara baba bahanda ba saka handa raba odoro bo bo shendere be. Nous allons prier encore pour nos cœurs, afin que nos cœurs soient libérés de tout ce qui le retient, afin que nous allions vers ceux que Christ a tellement aimés. Que nous allions vers ceux que Christ a tellement aimés. Prions afin que nos cœurs soient libérés. Que Dieu libère-nous. Tout ce qui nous retient, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit enlevé au nom de Jésus. Oh, nous sommes les mains du Seigneur. Nous sommes son cœur, nous sommes ses yeux, nous sommes sa bouche, nous sommes son cœur, nous sommes son cœur, nous sommes son cœur, nous sommes son cœur.
Nous sommes son cœur. Nous sommes son cœur. Nous sommes son cœur. Nous sommes son cœur. Nous sommes son cœur. Nous sommes son cœur. Nous sommes son cœur. Makahandarabayondorobo yenderebandaba. Oh Seigneur, tellement de détresse autour, tellement de détresse, mais tu nous as envoyé avec ta bonne parole, Seigneur. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Merci Seigneur. Libère-moi de l'insensibilité. Robo Santa Handa by open a bobo shindere bahanda. Robo Saka Handa Rabahobo Santa Hende. Robo shindere bahanda. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous dans les œuvres de Jésus. Conduis-nous dans les œuvres de Jésus. Conduis-nous dans toutes les œuvres de Jésus. Conduis-nous dans toutes les œuvres de Christ. 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 Oh, conduis-nous dans les œuvres de Christ. Conduis-nous, conduis-nous. Nous allons prier encore pour la journée de compassion qui va avoir lieu tout à l'heure. Nous allons prier afin que Dieu dans son amour touche, que le Seigneur touche chacun et que chacun soit touché de l'amour de Dieu. Que chacun reçoive cet amour de Dieu. Et que des actions de grâce montent à Dieu qui prend soin d'eux. Prions afin que l'amour de Dieu les touche. Que cette action puisse leur démontrer l'amour de Dieu et que l'amour de Dieu les touche. Prions, prions pour cela. Ah, Shekarabahandaba. Nous prions pour la journée de compassion, Seigneur. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui peux faire cette œuvre. C'est toi seul 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 qui peux faire cette œuvre. Alors je prie, Seigneur, afin que tu touches. Tu touches chacun de ceux qui seront là. Tu touches chacun de ceux qui seront là. Par ton amour, par ton amour, par ton amour, par ton amour. Par ton amour, 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 par ton amour merveilleux, par ton amour merveilleux. Qu'ils voient, Seigneur, que tu es mort à la croix pour eux, que tu les as aimés, Seigneur, et qu'ils n'ont pas besoin de mourir pour leur propre vie, mais toi-même, tu es mort pour eux, afin qu'ils vivent et non qu'ils meurent, afin qu'ils vivent et non qu'ils meurent. Je prie, Seigneur, afin que ton esprit se meut puissamment, puissamment pour les toucher, puissamment pour les restaurer, 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 que nos âmes, que leur âme soit restaurée, que leur âme soit restaurée, que leur âme soit restaurée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que leurs âmes soient restaurées, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, prions que plusieurs soient sauvés. Prions que plusieurs soient sauvés. 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 Qu'ils comprennent que Dieu les a tellement aimés. Qu'ils comprennent que Dieu les a tellement aimés. Oh. Makahanda rabayondo robobo shendere bahanda minda yekere bahondo bo sakahanda rabayondo robobo. Oh makahendere bahanda bahendere bébé, qui soit détourné du chemin, du mauvais chemin, Seigneur, qui soit détourné de cela, qui soit détourné de cela, je t'en prie. Oh Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce d'être ces témoins là pour eux. Accorde-nous la grâce d'être ces témoins là pour eux. Accorde-nous la grâce d'être ces témoins-là pour eux. Accorde-nous la grâce d'être ces témoins-là pour eux. Accorde-nous la grâce d'être ces témoins-là pour eux.
Shokoro bo bo santa ba yendere ba handa ba yendere behe. Robo saka handa ba hundo bo saka yendere ba handa. Mika handa ra ba hundo robo bo bo shendere ba handa. Minda yekere ba hundo bo saka yendere ba handa ra ba hundo robo bo shendere ba handa. Mika handa ra ba hundo robo bo bo saka handa ba yendere behe. Minda yekere ba hundo bo santa yendere behe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier pour tous ceux et celles qui sont dans la détresse dans cette assemblée. Afin qu'en ce temps du souvenir de la naissance de Jésus, qu'une visitation particulière leur soit accordée. Comme cet ange qui est entré chez Marie, qu'il soit visité puissamment par le Saint-Esprit et qu'il comprenne que Dieu est proche, qu'il est proche tel qu'ils l'ont entendu ce matin. Prions pour tous ceux et celles qui sont dans la détresse. Oh, Sheke Reba Handa Bayondo Robobo, Reba Handa Bayondo Robobo, Shende Reba Handa Bayondo Robobo, Saka Bayende, Minda Handa Rabayondo Robobo, Shende Reba Handa Bayeke Reba Handa, Minda Yeke Reba Hondo Bosaka Hende Reba Handa Bayende, Robo Santa Hende Reba Handa Bayondo Robobo. Oh Seigneur, il y en a plusieurs qui sont dans des situations de détresse. Oh Seigneur, accorde une grâce particulière encore en ce temps. Accorde une grâce particulière. Il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des gens qui sont dans des situations de détresse. Oh Seigneur, viens à leur rencontre. Visite-les puissamment. Et qu'une main tendue vers eux leur montre que tu es réel, que tu es présent, que tu ne les as jamais oublié et abandonné. Oh, que eux-mêmes, Seigneur, soient des sujets de bénédiction. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu nous as établis comme lumière et comme sel. Oh, Makahanda Rabayondo Robo Shende Rebahanda. Minda Yeke Rebahanda Rabayondo Robo. Rebahanda Bayeke Reba. Merci, Seigneur. Aide-nous. Délivre-nous chaque jour de nous-mêmes. Délivre-nous chaque jour de nous-mêmes. Délivre-nous chaque jour de nous-mêmes. À toi l'honneur et la gloire. Oh. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci
ceux qui sont malades dans leur corps. Je prie que ta puissance opère en eux puissamment. Que tu les guérisses complètement, totalement. Qu'ils retrouvent une pleine santé. Que le cœur ardent, Seigneur, nous te continuons à être partout les témoins de ta mort, les témoins de ta résurrection, de ton ascension et de ta puissance déployée. Seigneur, que le Saint-Esprit soit notre guide en tout temps, Seigneur. Que nous communions avec lui constamment pour comprendre les choses, pour connaître les choses qui sont en ton cœur. Excellent Père, merci. Merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ton amour pour chacun. Merci parce que tu les relèves, tu les fortifies. Tu les fais marcher dans la route, sur la route que toi-même tu es. Merci Seigneur. Merci parce que leurs maisons sont transformées par l'impact de leur vie. Merci parce que leurs cœurs reçoivent chaque jour l'empreinte de ta parole. Merci Seigneur pour cette douceur de vie. Merci cher Saint-Esprit parce que tu nous conduis pas à pas. Tu nous conduis pas à pas et nous te bénissons Saint-Esprit. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Sion. Et l'éternel Dieu est au milieu de toi comme un héros qui te sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Et tu tressailleras d'allégresse en ton Dieu, car il est ton rédempteur, il est ton sauveur, il est ton rédempteur, il est ton sauveur. Et cette nation verra briller la splendeur de l'évangile de Christ à travers toi, à travers toi, à travers toi, à travers toi, à travers toi et moi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur pour Jésus, merci Seigneur, oh, merci pour Jésus, merci Seigneur, merci pour Jésus, merci Seigneur, merci pour Jésus, merci Seigneur. Merci pour sa naissance, merci Seigneur. Merci pour sa venue, merci Seigneur. Merci pour sa venue, merci Seigneur. Merci pour son humilité, merci Seigneur. Merci pour ta patience, merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci Seigneur. Merci ta compassion, merci Seigneur. Merci pour ton pardon, merci Seigneur. Merci pour ton pardon, merci Seigneur. Merci pour ton pardon, merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant de venir à cet endroit, j'ai reçu une parole concernant quelqu'un. Concernant le pardon. Je ne l'ai pas dit pendant le message, mais le Seigneur m'a rappelé cela. Tout comme Dieu t'a pardonné, alors que tu l'avais trahi, Dieu te dit ce matin, toi aussi tu dois pardonner. Et parle à quelqu'un en particulier. Si je suis en toi, souviens-toi que je t'ai pardonné. Et que toi aussi tu dois pardonner. Alors cette parole est adressée à quelqu'un qui lutte avec cette question. Et Dieu te dit, la naissance de Christ est bien le signe de mon pardon, alors que vous ne l'aviez même pas demandé. C'est parce que j'avais choisi de vous pardonner que j'ai donné Jésus. Alors toi aussi, tu peux choisir de pardonner à cette personne, même s'il ne te le demande pas. Parce que c'est ce que Dieu a fait pour toi.
C'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Ne laisse pas passer, ne passe pas cette nouvelle année sans avoir accordé le plein pardon. Ne laisse pas passer cette nouvelle année sans avoir accordé le plein pardon. Alléluia. Alors nous allons passer à la table du Seigneur. Ce repas qui nous rappelle la venue de notre Seigneur, sa mort, et qui nous rappelle aussi qu'il revient bientôt. Il revient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce matin, le Seigneur est là avec son corps et son sang. Quand tu vas prendre le corps et le sang du Seigneur dans ta main, sache que tu as le Seigneur Jésus lui-même dans ta main. Il partage, il te donne sa vie. Parce que toi, tu ne vis plus. Mais c'est lui qui vit en toi. En prenant ce corps, souviens-toi qu'il est avec toi, Emmanuel. Dieu avec nous. Et qu'il soit le sujet de ta joie et de ton allégresse. Car il est ton rédempteur. Excellent Père. Merci. Merci pour ce corps brisé. Le corps de ton Fils Jésus. Qui a fait de nous tes enfants. Merci pour ce sang versé. Le sang de l'alliance. Qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une relation avec toi. Père, merci. Merci. Seigneur, en ce jour de souvenir de cette naissance merveilleuse, nous voulons te dire que nous nous souvenons aussi qu'il a dit qu'il revient. Il revient en roi triomphant. Il revient bientôt. Je prie qu'à travers ce repas, tout est sanctifié ici, puisse être prêt à ce retour. Et que ce repas, Seigneur, nous donne toujours de plus de la vie de Christ en nous, plus de sa vie en nous, et moins de la chair, toujours moins de la chair, au nom de Jésus. Et que nous soyons puissamment fortifiés et remplis de joie et d'allégresse, nous puissions dire avec joie, nous sommes tes enfants. Oh Père, merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour tous ceux qui participent à cette table. Pouvez-vous tenir debout, vous qui voulez participer à cette table du Seigneur. Sous ceux qui sont nés de nouveau, baptisés d'eau par immersion, ceux-là peuvent participer à la table du Seigneur. Alors tu vas prendre le corps du Seigneur et la coupe, et en rendant grâce pour cette vie, pour sa présence, tu vas le prendre et dire, Seigneur, je sais que tu es pour moi, tu n'es pas contre moi, tu es venu parce que tu es pour moi. Oh, tu es pour moi, tu es pour moi, tu es pour moi. Merci Père, tu es pour nous, Dieu avec nous, Emmanuel. Alléluia. La reconnaissance, Jésus. La reconnaissance pour ta croix. La reconnaissance, Jésus. Ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance
Don't.